Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va rouler le terrain. Donc juste avant ça, je veux d'abord faire un gros nettoyage. Et je veux aussi nettoyer toute la prise d'élan. Donc c'est parti, je vous pose avec un timelapse. Bon, hier les gars, j'ai déjà nettoyé la prise d'élan. Donc j'avais arrêté de faire hier parce que j'avais trop chaud, il y avait trop de soleil. Aujourd'hui j'ai de la chance à des nuages, donc je veux pas avoir trop chaud. Je m'étais arrêté ici et puis voilà, je remets avec un timelapse sur tout le terrain. Les gars, j'ai déjà nettoyé tout le devant du spot, mais maintenant je vais devoir nettoyer les seaux et les recettes. Donc pour ça, je veux pas tout vous filmer parce que sinon ça serait trop ennuyeux pour vous. Donc je vais vous filmer le plus gros en accéléré, du genre les grosses recettes comme celle-là. Et puis voilà, au moins ça ira vite pour vous et après je pourrai enfin rouler le terrain avec la rampe. Donc voilà, c'est parti, je vous repose avec le timelapse et je vous reprends directement après pour rouler. Bon, ça y est les gars, j'ai enfin fini de nettoyer le terrain. Donc je vais aller chercher mon vélo, mon équipement. Et puis dès que j'ai cherché tout ça, je vous reprends là-haut à la rampe. Allez, c'est parti les gars, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va pouvoir sauter le terrain. En espérant que c'est pas trop gras encore une fois. Mais je pense que ça doit être juste bien. Allez, c'est parti pour faire le premier test. Avec le terrain tout beau, tout bien nettoyé. Allez, c'est parti. On a l'air de prendre vraiment pas mal de vitesse puisque j'ai pédalé au début, mais je suis arrivé vraiment trop fort sur le premier saut. Du coup je suis atterri un peu à plat, mais sinon c'était nickel. On va enchaîner ça plusieurs fois. Après on va tester le nouveau saut qui est en bas. Allez, on est reparti. Alors ici par contre c'est toujours gras, donc je vais essayer de le sauter après quand même ce saut, mais il faudra que j'atterris bien ici. Sinon je vais finir avec les roues toutes crades et voir me casser la gueule. Allez, on part sur l'autre ligne un petit coup, c'est parti. Ça passe tout clean. Bon bah je vais encore sauter 2-3 fois et après on pourra tester le nouveau saut. Allez, go tester le nouveau saut. Bon les gars, j'ai sauté le nouveau saut mais j'étais pas assez vite. Enfin j'ai freiné juste avant, du coup j'ai un peu raccroché. Du coup on va se refaire ça en mode plus clean. Et je pense que après je vais arrêter pour aujourd'hui. Et demain je viendrai reconstruire la grosse double. De toute façon je vous montrerai ça demain. Donc voilà, on va encore se sauter une ou deux fois le nouveau saut pour le valider. Et puis après je reprendrai demain pour la suite de la vidéo.
Les gars, on est le lendemain. Donc aujourd'hui, je vais modifier ce kick. La réception, je vais la laisser comme elle est. Et sinon, je vais aussi agrandir ce kick là. Donc avec tout la terre là, vu que sinon ça fait un gros tas de terre. Et puis pour la réception ici, faut que je la répare parce qu'avec les grosses pluies, tout s'est écroulé. Donc je vous pose avec un accéléré où je refais le kick et tout ça. Et puis après, je reprends pour tester ça. Bon, maintenant que j'ai refait ça, va falloir encore que je passe un petit coup de nettoyage ici. Voilà, donc je vais encore nettoyer ça, plus la récepte là et le kick. Donc voilà, c'est parti, je vous pose avec un petit accéléré nettoyage ici et je vous reprends après. Ça y est les gars, j'ai fini de nettoyer le terrain. Donc on va directement essayer la grosse double, voir si elle est mieux, comment je l'ai reshape. Vu qu'avant elle était un peu trop kickée, maintenant elle doit être juste bien. Donc on va directement tester ça, c'est parti. Bon, la grosse double passe vraiment nickel, elle envoie même un peu trop. Ça c'est juste parfait, je vais la laisser comme elle est. Ouais. Allez, c'est parti. J'ai failli shooter Flo. Maintenant c'est parti pour tester la petite double que j'ai re-shape. Donc faut que je tourne par ici. Ça passe, faut juste que je prenne un peu plus d'élan. Allez, on est parti pour retenter le saut. Ah, voilà, ça passe nickel. Allez, on reprend le même saut, mais cette fois on essaye de prendre l'autre saut qui est juste à droite. Voilà, on prend ce saut, puis celui-là je peux pas le faire vu qu'il y a la pelle en plein milieu. Bon les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, ça ferait super plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, ciao les gars.